Vous venez d'obtenir votre diplôme d'État avec 75%, c'est si vous concerne. Univers Office vous ouvre les portes du monde pour des études de haut niveau et de qualité au Canada, aux USA, en Ukraine, en France, au Chypre et en Tunisie. Univers Office vous fait bénéficier d'une inscription gratuite dans le pays de votre choix, ainsi que d'une réduction de 40% de frais académiques et d'une assistance visa gratuite. Les candidats à cette souscription sont soumis au test de niveau à l'Athénée de la Gombée le 28 de ce mois en cours. Pour tout contact, appelez au plus 243 89 240 66 64 plus 243 90 249 36 62. Adresse: Avenue Bakongo, Kinshasa Gombe, référence Gare Centrale, à côté de l'immeuble Soficom. Hâtez-vous, car les places sont limitées. Bonne chance à tous les candidats. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets. Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFOD. IFOD, au service de tous. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Dis nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du troisième cycle à l'étranger. Inscription: rue Louosi numéro 11 à 13 à Kasavubu. Téléphone 00243 81 60 00 634. 00243 90 61 61 0428. UBC, une œuvre signée ambassadeur Matiemo Bindi. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, Bisikanyo sur vos alliés Namikili, Europe, Asie, Amérique, Afrique, Océanie, Place Nyo sur vos alliés, Tosengi Nabino. Merci beaucoup de nous avoir accepté, Nabanda Kunabino, pour vous parler de l'actualité. L'actualité aujourd'hui est que vous allez dominer dans plusieurs sujets parce que nous avons un invité, Nakatia Plateau Nabiso, mais avant tout que je vous présente l'invité, passons d'abord aux informations du jour. République démocratique du Congo, après le cardinal Ambongo, Modeste Bahati, Lukonde, Sama Lukonde, Mosso et Béa, reçus par les révérends
Bokundoa, président de l'ECC. La RDC prendra part au 16e sommet sur la gouvernance du numérique prévu le mois prochain en Pologne. Ituri, une cinquantaine de civils libérés de main de ZADF par l'armée à Irumu. Lualaba, un véhicule transportant des chanvres et boissons prohibées, intercepté par la police à Kolwezi. À Kinshasa, 6 chefs d'État africains lancent la campagne de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes. 16 jours d'activisme, besoin d'un incitatif qui donnerait un peu plus de soutien financier aux pays qui sont plus sensibles à la question des violences basées sur les genres. Sommet sur la masculinité positive, un engagement de chefs d'État africains attendu pour mettre fin aux violences faites aux femmes. 30 mois pour accélérer la lutte contre l'esclavage moderne dans le site minier des Deux Kivus. Le musicien congolais Koffi Olomide est arrivé jeudi 25 novembre à Goma, au Nord Kivu, pour un concert de soutien au FRDC. Et enfin, Willy Bakonga retrouve sa liberté après 7 mois de détention. Voilà tout pour les informations du jour, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup encore une fois, Binobat Bozubi, Libako et Kotala Biso Sikoyo. Nous vous rappelons que Toyambi Mwalamboka Fiyu Ndondo Boni. Fiyu Ndondo Boni, il est président du Parti Orange. Fiyu Ndondo Boni, il est aussi coordonnateur de la coalition CAL et il est aussi membre de l'Union Sacrée. Mwalamboka Fiyu Ndondo Boni, nous te disons merci et bienvenue dans cette émission Bosolo na politique officielle. Merci beaucoup et Botobe pour l'invitation. Et je pense que les téléspectateurs ont l'occasion de comprendre que ce soit ma cambe belé. Voilà, merci beaucoup Fiyu Ndondo Boni. Je le dis tout à l'heure, nous avons parlé de la libération de Willy Bakonga. Fiyu Ndondo Boni, Willy Bakonga a été condamné à 3 ans de prison. 7 mois après, Willy Bakonga a recouvré liberté naïe. A longwe na makala, a komilelo libre. Est-ce qu'il faut encore croire à l'état des droits? Parce que ça s'est dit, hein, Bakoko tamé, bazo ou melate. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour dire que la justice fait son travail. Parce que moi, la justice est allée procureur à ressaisir dossier pour la refunda, juge à Zana Kati et avocat à Zako défendre Moutou Azali n'a problème. Donc, avocat, ceux qui ont Moutou Azana n'a pas problème, Azana n'a pas droit, même n'a pas problème. Donc, avocat, de Sikoyo, Azo défendre Moutouana, Azo Luka n'a pas droit. Il y a motoana pour être à la possibilité, il y a raison que ça motoana la liberté naï. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, mécanisme et la justice, ils ont fonctionné normalement. Bah, tout le monde sait que ça m'a cambé acharnement. Je crois que les uns et les autres, bah, comme ils vont comprendre que ils allaient cambé acharnement, ils allaient les cambé que justice, azo se saisir na ba dossier, azo qu'on la procédure normale, ceux qui bah avocat, bah, et bi qu'on l'acquissa, bah, article, Tomi Beko Oye Sengete, Moto Oyo ba Memi devant juge Azala acquitté, juge a reçu la décision nae normale sans influence, sans interférence, il y a qui que ce soit. Et Oye Zali preuve monene pendant l'accès à justice, et Zako Salamosa Nango d'une part, et d'autre part, et Zako Laksalisou sous que qui que tu sois, la justice a le pouvoir, il y a aucun gars. Tu vois, Azala qui est ministre Bamboula Ebele, Aouta qui est bima le gouvernement. Donc, c'est pour dire qu'à Koka Koloba que Azali est intouchable, mais justice a saisi rien. Bah, s'ambitier, tant que bah, se rendre compte que Azali problème était, bah, relâcher. Donc, Moto Oyo, à quel que soit niveau naïe, à cause d'un problème dans l'État, à cause à coqui ko kangaye pe à sambisié ce kaza libre babimisié ce kaza la condamné à okota boloko. Mais moi la mboka Fiyu Ndondo Boni na onyo sotomoni avec ce tact, n'est-ce pas que bato mususu pe babandai peut-être ko lenga ba ko lenga c'était pas babiso tokei tozo ume na biso te donc peu importe. Non, on a des problèmes ya ko lenga. Nous avons vu avec Eteni Longondo, il y a les voix se sont levées pour dire que Eteni est dehors comment, Eteni est libre comment. Non, ceux qui alors qu'il y a d'autres qui croupissent encore na kati ya prison makala. Ceux qui ba preuve ezo la ki sa que au salaki ma b okofana na boloko. Le fait ya ko bimisa elingi ko la ki sa te que dossier s'il est
Parce que ce qui va bimi si peut-être à ce niveau-là, procureur d'éléments supplémentaires pour nous prouver les alliés sous-soutés. Il y a un juge à Kati. Mais ce qui est d'éléments supplémentaires, Nalika Momoko, peut-être au-delà du dossier wana et mon ebimi lissusu kaka moto wana moko ba ko zongi sa ba sambisi lissusu parce que c'est une question de mais cette arrestation en fait des c'est une oui mais le problème maintenant peut-être ba avocat il y a ancien gouverneur ancien ministre EPSP bazalaki na argumentaire beaucoup plus solide oyo procureur a présenté qui devant juge. Hein, tu vois, c'est une bataille en fait. Et juge Azana Katiwana, Azarota la Mibeko et Zolobanini. Ce qui, Oya Rosana Rigan Makasi, n'a preuve Makasi, pour n'avoir démontré soit condamnation ou libération de l'un ou l'autre, mais juge Yé Akokata conformément à Mibeko. Donc, état de droit, et Ningi Kolobanini. Et Ningi Kolakusa a été respect Yamibeko. Respect Yabaloi, respect Yaliberté, devoir, droit Yamoto Nyoso. Et dans le cas d'espèce, il y a eu la question de la justice. Et comme il y a eu l'indépendance, il y a eu un peu de le reste, il y a la quantité parce qu'il y a une réalité de la justice. Effectivement, il y a la quantité parce qu'ils sont de réalité de la justice. Je viens de dire tout à l'heure, ma camoyeta des doigts. Est-ce que pour le cas Massaro, qui n'a pas été jugé, est-ce que ça, c'est l'état des droits? Non, je crois que l'avocat n'a eu. Je ne peux pas parler d'une manière singulière, par exemple, à Kanaé, il y avait un dossier complexe où Salami, il y a président Kamere, l'ancien directeur du cabinet. C'est quand on voit quelqu'un qui était condamné, libéré, et pour quelqu'un qui n'a pas été jugé, mais qui croupisse toujours. Non, parce que ça, dossier, complice, en fait. Complice. On l'a entendu à la télévision. Donc, Berre, il y a Kamere. Non, je ne veux pas dire. Ah. L'appréciation et la justice. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Appréciation, j'ai architecte. Donc, ngai pesara wakamwa conception anda kuna ko betolei bandeli tsuka. Mais na lo badi de manière générale, oui, ma appréciation à la liste politique, aussi, oui. Appréciation à juge et ça là qui était pour ce cas-là, il fallait afanana noana. Mais je crois que dossier ça l'appel. Donc na traitement à dossier appel wana, avocat na, il faut pas suffisamment outillé, ba réunir ba preuve, peut-être ba la période de réunir ba preuve. Poété, Bazongi sa dossier de manière à ce que Azala libéré. Ce qui est ma preuve est suffisante. Et je pense qu'Aza a libéré. Ce qui est ma preuve est suffisante, c'est. Je pense que situation. Justice, Aza la Moussana, l'essentiel, c'est que ma droit, puis ma devoir, et la moto, ça a garanti. Monsieur l'architecte, comprends-nous. On va parler encore. Il y a des gens qui sont dans la prison. Les cas de Kamere. Est-ce que sa culpabilité a clairement été établie? Bon, je pense qu'il y a eu tout un débat là-dessus, hein, à la télé, tout le monde a suivi. Je connais le président Kamere, on a été avec lui à la dynamique de l'opposition pendant longtemps. Si, en passant, s'il me suit, maintenant, donc je le salue. Donc, c'est un homme, bon, il y a des choses qui se sont passées. La justice a dit ce qu'elle a rendu d'après les éléments qui étaient devant elle. Je crois que l'avocat, président Kamere, c'est là qui appelle. Je ne sais pas si l'appel anglais a conclu ou ça continue. Parce que l'UNC va crier à toujours, il est l'on a injustice. Oui, la justice fait son travail. Je pense que l'attitude n'a eu en tant que personnalité politique, Kimia Nakati à prison, et ça, élément, et ça qu'on reconnaît en sa faveur. Parce que l'attitude et comportement à prisonnier, ça joue. Sur la suite, parce que l'objectif, il y a prison, ils allaient rééducation, réencadrement, tout ça. Mais si à un certain moment, on se rend compte que Motoyo, raison pour laquelle Tsaki est na Boloko à atteindre en haut, il reviendra aux autorités compétentes à un certain niveau, apprécier. Peut-être Bambou Lawana à quoi atteindre en haut. Donc, il y a qu'à la justice, et que vous la Moutounioso, dans le sens que Baxiom sous Toposaranavi, yo reposer action ebi kezali de telle direction ezapona mais du moins interprétation ya juge to moto ya mibeko a romona ango ke ezali mbeba lelo yo IGF azaro sala mosala sur makambo ya gestion ya mboka batebele ba sazwa ba décision abimisi mbongo à l'état non prenez ça exercez faites telle activité mais activité moto mususu eke na sens ya rosala peut-être mutubolamo mais dans la procédure Yakobimisa Mbongo, toté ligne budgétaire,
ya robimisa mbongo yango ezali na 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 na, na ligne ya budget na yote. Donc ce qui fait que robimisa ko sali détournement ba te belé ba bima détournement à millions de dollars ba simba non même à millions de dollars ngote ezali la sommation de plusieurs mbongo des années et bimisa ko par exemple 4 5 10 millions mais azwa 10 millions ngo cash boyete. Donc ils ont 5 ans de moto la moto, biso banso, acteur politique, bah, gestionnaire, et pesa mayele sur la discipline dans la gestion. La gestion, il y a chose publique, il faut que ça, là, en haut, na respect à procédure, parce que zali mbongo o population, aza ko souffrir, na yango, po ete mbongo ke mbongo ke ne liboso. Moto la moto, pesa ta 1 franc nae, 1000 francs, 2000 francs nae, même bah, chayeur oyo, bah, foutara bah, jeton. Donc, hein? C'est pour dire que même Bango Nyon se basa pour contribuer à la budget en Boka. Alors, Mbongo, Moutouaza, au Pessa, au Pessa, la Passi, Yosoko Sangis, Yango, au Benz, Yango, du coup, au Salaire de l'Euro Moussousou. Voilà pourquoi l'État a sali sévère pour Nango, pour que a découragé Bato, Bako Kako, ça l'a détruit la Mbongo. Bien dit, Fiyoun Dondovoni. Mais est-ce qu'il y a moyen, il y a quoi éclaircir? Nous avons reçu plusieurs hommes politiques ici, Bango Moussousou Balobi, Bango Innocente, Bango Inaboloko. Mais bah, bah, zali, bah, criminel, ne bah, koutambo la libanda, bah, kou li ape mosolo amboka. Non, vous savez, au moins, le système fonctionnel y a moukili, d'une manière générale, et peut-être l'amboka la biso réseau, il y avait un bah, réseau, bah, système fonctionnel, ils allaient implémenter. C'est-à-dire, moto, tom, sous, azali, auteur y a crime, a fandi na sima, a zo utilisé. Batoba liboso batoa nande babenga équipe mobile batoa nande sikoyo baza fusible ba ressauter à un certain niveau. Donc peut-être moto azo exécuter na sekuna a yebité moto ya likolo a gérera makamnyoso ya yebika ka moto azali likolo nae et que moto a likolo nae peut-être du faut 4 ou 5 échelons pour na komba pa moto azo gérer au système nyoso ala fonctionnel babenga bango ba administrateur akobimate. Alors, pour atteindre l'administrateur, il faut mettre en place des dispositions et des enquêtes pendant un long moment pour atteindre. Donc, ce qui fait que Moutouana a un moyen, a un réseau, peut-être a un complice dans un secteur rebelle, et ce qui fait que pour Zoye, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il y a la enquête, monsieur, où ça a 10 ans, et où ça a 5 ans, où ça a 20 ans, pour seulement détecter. Administrateur et système wana azo gérer ma camion parce que ce qui bakangi était tout le reste ma preuve met dans le sac mais y était mutaza au sala et à l'okola au quai d'aéroport bakutio na sac ya drogue bakanga yo mutoza na sac à drogue mais muto atinda kio na sac à drogue wana toi au sala trafic nyoso wana bakutika jamais koye ba eh. Mais yom tozé na sac à dos, ba okanga yo osa la prison. Bazala ba contrat, ton soit lobaté, ton tout ça. C'est vraiment un monde très compliqué. Yango, il faut, procureur, justice, azala makoki et belé, pour na sa la banquette. Police, azala makoki et belé, ba service à renseignement makoki et belé, pour na ko détecter ba réseau ananyoso. Je suis convaincu, nambo cannabis au pezali, parce que, avec le secteur minier, secteur Yamakambe Bele, Mbongo, Eza Nambo Kanabiso, je suis convaincu, réseau Anego Zangate, détournement Mbongo et Bele, Eza détournement. Voilà pourquoi l'actuel, à l'époque, il était avocat, je crois, Azalaki, ministère public, je crois, mais actuellement, c'est le président de la Cour constitutionnelle, Oyaloba, il a parlé de crimes intelligents, hein, Yamayele, c'est-à-dire conception, parce que c'est la conception qui crée les systèmes. Et alors, quand la biso architecte Lelo, ce qui n'a coûté un client, je conçois les projets. Na moutou na nga nazar au moins na déjà nda kozo existé. Na yebi que on va utiliser, na utiliser à tel endroit. Mais nga na yebi déjà ce qu'on veut faire. Donc ces personnes là sont beaucoup plus fortes et, entre parenthèses dangereuses que moutou a exécuté seulement sur le terrain. Donc voilà un peu d'une manière générale. Fiyundo Ndoboni, maintenant 7 mois Willy Bakonga est libre. Avec tout ce qui a eu comme bruit, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Andien Nangambo à Brazzaville, bah récupérer, bah zone ici, Boloko, voilà, Mboka. Quelle leçon, politicien congolais, il faut tirer après libération Non, leçon, il y a l'imbosso, et soyez, qui que tu sois, avec état des droits, Mokondi Mboka, Félix, Antoine Tshisekedi, Diazako, Fandisa, qui que tu sois, ce que tu as un problème dans l'État, bah, Kangayo. Ça, c'est la première chose.
Donc, il ne faut pas le bac que Naza protégé, Naza Songolo, Naza Pakala. Donc, ce qu'on a dans l'éloque à l'État et que Ebimi, que aux yeux de l'éloque à l'État, il faut chaque acteur politique, chaque Congolais a été justice à retirer au Maboko. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui ont été innocents, dans les Kamoumoro au Salaki, il faut faire confiance à la justice. Bako innocenté, ça peut prendre du temps. Mais Bako innocenté, je n'ai pas dit que le cas de l'ancien ministre, il est totalement innocenté, mais je dis que la justice a rosala mosala nae na lo lenge et longo bani pour être droit et tangama. Il est vrai, et à la mosala est belé à rosala encore la justice pour l'instant, parce que bah comportement pour attitude, il y a bah juge Moussoussou, Ezali Yamabe, parce que le président de la République, Yemoko, a dénoncé qui yango, bah juge Moussoussou, droit Ezali Boye, à Kolobelo, pour moi, le contraire, ils sont fous. Bazali, voilà pourquoi il faut que conseil de discipline il y a ba juge et fonctionner sérieusement pour na ba juge en dengoana baza la sanctionner et que ba ko ka ko nuire le sur image de la justice. Mais chaque acteur politique a ba que ce qui mbonga l'état ezali a salé la mbonga l'état pour l'intérêt à l'état, a respecté procédure et à gestion, a respecté engagement aux ezwami. Et on aurait un mot pour l'épanouissement à Batou Nyoso. Yombo, il faut foutre à Batou. Ayez, salaire et à personnel. Aujourd'hui, mon wana, utilisant l'euro moussous. Ou bien, au continu, ça pour l'utiliser sa chantier naïo. Alors qu'aujourd'hui, les enseignants sont des malheureux. Justement. Il faut dire. Et pourtant, enseignants, Azam Mouto, afin d'ici, les lots sont en afin d'y avoir, même yo, fan du wana. Aujourd'hui, ma yéle ya koloba. Banalise ya rosala. Nan la pessu ya mot. Enseignants. Tant enseignant j'ai aux années première année primaire maternelle d'abord première année primaire aux années loko atamokote na mutu nayo m'enseignant a cotisé lio biloko wana nyoso et que les lotio autonome aux ça la banalise pe batwaza ko sepla lolenge nous a koloba et ça enseignant et ça mutu moko il faut avoir la considération et que afuta malolenge et longo bani mais ce n'est pas le cas Mokondiamboka azaro sala est fort avec cette histoire de la gratuité justement Mokondiamboka azaro sala est fort pour la Likambouana. Pendant ça l'effort, Bamisusu, Bazaroyi, Bakote. Voilà pourquoi IGF, Aza, Ko, Salamoussala, le Soumakas, pour être rentré au Sala. Au moins, le budget est quitté de 5 milliards à 10 milliards. Pourquoi? Parce que justement, Batrou et Kangami, Bassous y a revenu, et Moussous et Monani, revenu et Mati, et ça dit que on est plus ou moins sûr. Mbongo Oya a déclaré comme prévision budgétaire et Rosalaba revenu et Okota suffisamment pour na et régler ma problème y a population. Parce qu'on ne peut pas régler le problème y a population. Le 16% des enseignants dans le budget, ça suffit? Non, ça dépend maintenant de la configuration d'une manière générale, le lengue, parce que 16% y a enseignants, ça fait 1 milliard 600. Donc 1 milliard 600 par rapport y a budget qui est autour de 10 milliards, 16% ça fait 1 milliard 600 rien que pour les enseignants. Donc, si on doit voir les montants affectés aux enseignants par rapport au problème global de la République, on peut dire que c'est bon. Parce que, à part les enseignants, il y a d'autres fonctionnaires, Bazali. Il y a d'autres secteurs, Bazali. Bah, médecins, Nanyuanos, Bazali. Il y a institutions, Ezali. Ezali, projet, Ezali. Ezali, Kambebele, Ezali. 16%, vous voyez que ça va résoudre le problème des enseignants. Non, je ne dis pas que ça va résoudre le problème des enseignants, parce qu'aujourd'hui, avec le nombre d'enseignants autos à Nango, ce qu'il faut calculer, Moutoulamoutan, c'est un minimum de vie, et que Senga, certainement plus. Mais c'est un départ. Il faut autant la place de outils. Place de Zarokende. Et là, on a, avec Moussa et Ozala, qu'on bloqué, ma perte, Yabambongo, monsieur Zaro Salama, je pense que prochain budget, et qu'on a la regard encore différent, pour qu'on bac, c'est le seul qui est un enseignant. Je pense que ma initiative, monsieur Zaro Salama, pour être enseignant, à Zana fierté, moi, na Silici Kelasi, à vocation, pendant qu'à Zotang, à Zolobak, ngaï na lingina comme enseignant. Comme à Zolobak, ngaï na lingina comme, militaire tout policier. Oebi, mon père, le professeur Dondoboni Lobali, m'a toujours dit que à l'époque, Adago Tanga, mais il enseignait aussi. Déjà à l'époque. Il est vivant, il est vivant, oui. Okay. Il est vivant. Donc, il enseigne jusqu'à aujourd'hui, il est enseignant. Okay. Donc, il est enseignant à l'université et tout ça. Mmh. Alors, Ezalaki, un étudiant, un enseignant, Oyazo y a la famille pour Nakobala, mais Azana, le coup, moi, au Saranate. Ce qui a coti, Marola Bela et Soso, Marosala, à l'époque, Soso, c'était succès, il y a, c'est symbole, il y a honneur. Marola Bela et Bakono, un étudiant, un enseignant,
un fonctionnaire. Mais Lélo, est-ce qu'un étudiant, un enseignant, un fonctionnaire a reçu même honneur? Certainement non. Mais du moins... Écoute, ce mot, Anabino, nous avons pas l'enseignant. Vous voyez comment les mamans m'y venir. Oh, et à la catégorie abattue, il faut vraiment couper sa bango, respect ma kasi, na mokili. Ils ont enseignant, ils ont pasteur, ils ont prêtre, ils ont médecin, et puis ils ont... donc, moko goya mususu. Catégorie wana, pourquoi? Parce que, eza bato oyo basalaka, il faut zala na vocation. Ce qui vocation eza te, netiyo bwepoza amamelo. Il faut vocation. Ce qui vocation eza te, na sango place aza o landabiso. Ouroko ma sango nenge ni se vocation eza te. Parce que se vocation eza te, idée na eza la raka, bon, le lo ma bonze koti combien? Bon, mwa to sa langonine. Mais ce qui vocation eza li, ma bonza sa te tirer, parce que tu es attaché à des valeurs. Ba valeur oyo que Christ a pesaki, et que yo ozo linga ou matérialisé na mokili. Donc, ozala na ba attachement charnel to spontanéité. Donc, voilà pourquoi il faut faire ça respect ma kasi na katégorie ba toana. Ba médecin, ba enseignant, ba pasteur, ba serviteur de Dieu, parce que évidemment, bah vrai, parce que monsieur peut pas commis trop lié à un truc. Mais bah toi, il faut bien en considération, ma casse, parce que baza vraiment la soubassement à vocation, tout y a bénévolat. Voilà, merci beaucoup, Fiondondo Boni. Vous avez parlé tout à l'heure enquête. Dis-moi, enquête 9 mois. Je me suis dit, oh, enquête 9 mois. Est-ce qu'il y a moyen d'analyser un pays par rapport à enquête, il y a hold-up, là où on incrimine le chef, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, d'avoir détourné. Bon, j'ai l'alandi vidéo, voilà, mais évidemment, il faut battre la basse enquête pendant un long moment, bimisi quelques éléments, où Monique va mettre en haut sur la table. Maintenant, il revient au procureur, maintenant, à saisir dossier en haut, à se saisir dans dossier en haut, à approfondir l'enquête, à bimisa ba preuve, et ce qui a réuni suffisamment d'éléments, à ressal à une invitation, et pas à personne concernée, pour na tout na bango ba question. C'est ça justement l'état des droits. Est-ce que le procureur a déjà lu, est-ce que si a moni peut-être Mikanda ou le 3 500 000? Non, probablement j'ai suivi message à banque concernée, Anna, pour que Alobi, il est disposé en fait, il est disposé, il n'a pas d'une manière officielle, il y a qu'au condamné à l'obat, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais Alobi seulement que bateau, bah, ok, naissance, il y a qu'au nuire image naïe, ce qui n'est ni justice et Zali, mais lui, il est disposé à fournir les éléments. Donc, c'est pour dire que il a déjà une ouverture, un début de l'enquête. Donc, à ce niveau de responsabilité, s'il y a eu de, il y a eu de la pratique, il y a un dengoana, procureur a démontré, évidemment, il y aura des personnes qui vont recevoir des invitations pour Nabaya, bah, répondre, comme je dis au départ, la réalité à Mokilindenge Zali pour l'instant, état de droit. On a vu, hein, en France, l'ancien président a été, il y a eu un problème de la justice, hein. Dans d'autres pays, bah, il y a un problème de la justice. Ce n'est pas, c'est justement ça, respect aux valorisations. Il y a Mboka, oh, et que ça, là, que moto na moto, aye, bah, que Mbongo à l'État, et ça, engaïté. Je ne suis qu'un gestionnaire pour l'intérêt à la population. Ce qui y a Mboko déjà, aux autres, on a millions pour na Mboko. Et que, aux autres, les cas, la population, aux autres, on a, aéroport, aux autres, on a batouna, niveau ya souffrance. Bazanango. Parce que les gens ne comprennent pas, niveau ya ba million. N'a quoi expliquer, yo, en quelques minutes, ba million et zalinini. Lelo, aux autres décisions, au lobby, chaque jour, n'a au dépensé qu'à 1000 dollars. 1000 dollars, et à l'occasion, 1 million de francs. 2 millions de francs. N'a au dépensé qu'à 2 millions de francs chaque jour. Pendant une année, et ça l'est lié au cas à 365 000 dollars américains. Pendant 10 ans, et puis sur 3 millions 560 quelque chose millions de dollars. Pendant 100 ans, Timoukolo Okoufa, et puis sur le cas à 33 millions quelque chose de dollars, 33 600 000 quelque chose de dollars américains. Donc, avec 35 millions, chaque jour, on doit dépenser 1000 dollars américains, ce que c'est l'ito Bwaki, lobby au bois qui moussoussou. Donc, on s'en a 100 ans, on vivre au koufi. Mais yo si ko, il faut avoir un travail décent. Non, même au bio tchèkara, chaque jour, on a 6000. Au somba voiture, au somba nda goûte. Parce que l'enseignant, vous trouvez télé li solo. Yo ka, au somba nda goûte, au somba voiture, au somba nda goûte. Tu as une voiture de location, 200, 300 dollars par jour. Aux à la chambre, mon hôtel, 200 ou 300. Avec l'argent de l'État ou non, je dis, on appelle ça aux valeurs, il y a un million. On appelle ça aux valeurs, il y a un million. Ah, tout ça, il y a un million. Et si les autres, il y a un valeur. C'est-à-dire, Moutou, aujourd'hui, pour n'avoir pas d'importance, qu'il y a un million au Batoubaï Baka. C'est-à-dire, Moutou, si on a 35 millions,
pendant plus de 100 ans à vivre dépensant 1000 dollars chaque jour sans que Mbongo en ici là. Mais yo suis quoi yo mo conduit 100 millions, 200 millions, 1 milliard. Pas maman, on ressent dans d'abord ni. Pendant que zomo na ndeko na yo azo souffrir. Même la Bible elle dit. Azo zanga vanité de vanité, que servira-t-il à un homme de gagner tous ces mondes s'il perdait son âme? Donc mutu abatu bazo zanga bloka kolia, batu bazako senga na nzela et osala Mbongo wana kozo tala boye et tu t'en occupes. Donc voilà pourquoi l'État, il faut absolument à sanctionner sévèrement bas comportement, taux d'attitude, yabatu amide lewana. Et que diriez-vous, surtout dans le couloir des journalistes, pourquoi on n'a pas associé les journalistes congolais dans la banquette? La banquette, voilà. Bon, je ne sais pas, j'ai l'initiative, la banquette, voilà. Bon, bah, journaliste congolais, bon, bah, je ne sais pas, mais certainement, Moutou a eu l'initiative. Il y a dossier, peut-être ça, là, bah, il y a discrétion, confidentialité, tout ça. Azala qui sur une équipe de travail, hein, ceux qui, alors peut-être ceux qui ont associé telle ou telle autre personne, peut-être fuite et Rosala. Mais les journalistes congolais peuvent aussi, bah, ça, la groupe Nabango, bah, initier banquette. Ils peuvent aussi également faire ces genres d'enquêtes, bah, d'information. Déjà, à Anet Nabosolo, la politique, banquette, une chaîne d'investigation. Ben, oui. Banquette, Moussousou, Sango, Binonio Sobosala, au fan, pendant la télévision, lobby, ah, mais Mouto, y'a Kouloli, Biloko, Wapi. Au moins, un document, une lettre, preuve à l'appui. Donc, ce qui est déjà une émission à Bosolo, Sango, Thomas Melo, a émission que lobby, bah, pièce et Zali, Mitouna a déjà mis une question sur le signal quelque part. Parce que, document, là, certainement, Robima. Donc, c'est pour dire que, on a des personnes, bah, la capacité, bah, ça, tout n'y a pas, la banquette, le col, la mine, le voilà. Donc, je vous encourage également, bon, ça va initiative en négo là pour la bourse à la Métibino avoir une chaîne d'investigation, donc c'est possible. Merci beaucoup, Fiondo Ndoboni. Nous passons à la technique. Nous demandons à Précieux Moyoko de nous balancer les éléments. D'abord, le chef de principale institution du pays poursuivent leurs échanges auprès des responsables des églises. Tomoni Ango, après Fridolé Ambongo, délégation à Mboso, Bati Samalko, et Keye Paya, président à SEC. Nous demandons à Précieux Moyoko de balancer cet élément. Et puis l'élément sur la marche de ce samedi 27 novembre. Bien que la marche de ce samedi soit interdite par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Gentil Ngobila, les blocs patriotiques au CalCC Milapro maintient et appelle la population à prendre part à la dite manifestation. Le chef des principales institutions de la RDC ont poursuivi leur mission d'échange avec les responsables des églises. Des jours après avoir rencontré le cardinal Fridolé Ambongo, la délégation composée du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga, celui du Sénat Modeste Batuliko, du Premier ministre Samalou Kondé et du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Béa, a rencontré jeudi dans la soirée le président de l'église du Christ au Congo, Monseigneur André Bokundoa. S'adressant à la presse, à l'issue de cette visite, le président de la Chambre basse du Parlement a déclaré qu'il était temps d'apaiser les esprits après les tensions observées à la suite de l'entérinement du président de la CNU, Denis Kadima. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'Église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne le page de frustration, de mécontentement né à la suite de l'entérinement de l'équipe de la CENI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas parce qu'il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix si cela dépend de vous. Le représentant de l'Église du Christ au Congo a pour sa part salué la démarche entreprise par les différents chefs des institutions et les conseils spéciaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Démarche qui, d'après lui, vise la cohésion nationale et l'intérêt général. Leur présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous, un honneur pour l'Église, parce que nous sommes dans le pays et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Les messages, comme je l'ai dit à les honorables excellences, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans les pays, pour la paix de tous.
Par ses contacts, il est visiblement constaté que le régime en place est engagé à organiser les élections démocratiques transparentes et apaisées en 2023, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous voici donc ici, venus pour vous confirmer que la marche des forces politiques et sociales de la nation autour du Milapro et du CALCC est confirmée pour ce samedi 27 novembre 2021 suivant les itinéraires suivants. Nos populations pour la ville-province de Kinshasa, bien entendu. Nos populations de l'axe Tchangou et Mohamba auront comme point de chute le palais du peuple. Nos populations de l'axe Lukunga auront pour point de chute le bureau national de la CENI, 6 boulevard du 30 juin, vers la gare centrale. Nos populations de la Founa chemineront et auront comme point de chute le palais du peuple est prévu sur toute l'étendue de la République suivant les consignes déjà connues. Donc, sur toute l'étendue de la République, il y aura en date du 27 novembre 2021, donc le samedi de la semaine en cours, une marche populaire et pacifique sur toute l'étendue de la République. Voilà, fille Ndondo Boni, tozongi na plateau na biso, tokobunda na moke moke, koloba lingala, tozongi na plateau na biso, mwana mboka, outi kolanda tout à l'heure, le CALCC et Milapro. C'est vrai, le gouverneur de la ville a dit niette, pas de marche pour ce samedi, c'est déjà demain, pour ce samedi 27. Mais vous avez vu la déclaration, Balobi était terre, bango bako tambola. Et ils ont l'itinéraire. Non, comment appréciez-vous ça? Je pense que, on doit aller voir la République, il faut au moins la République, intérêt à la République. Balanda, exemple, à Bakambi, à Lingomba. Ça ne sert à rien de défier l'État. L'État, Zali, la Makokinyo, ça ne sert à rien de défier l'État. Et surtout que Milapro, CALCC, Bango, Bazali. Accompagné du FCC et la Mouka. Oui, FCC et la Mouka, c'est la position des politiciens. Mais Bawana Moussousou, Bazali, Bazali, branche, il y a l'Église. Parce que Milapro, ministère des laïcs protestants, CALCC et Gérard Rappé, laïcs catholiques. Donc, Bazo gérer ambition, frère, il y a l'église, Oyo, Bazali, consacré dans le ministère. Donc, c'est pour dire quoi? Bazo dépend de l'église. Bazali, organe décisionnel, dans quatre églises. Responsable, il y a Milapro, à CALCC, il n'engage pas l'église tant qu'on ne s'adresse pas à l'État. Moutoua quoi engager l'église et pas à l'État, c'est un représentant légal, Pona, il y a SCC, et puis, Mokondia, il y a Senko pour l'église catholique. Alors, sauté évêque Oyo, azo gérer circonscription. Alors, à moins que ma structure wana et ma personnalité juridique n'a dengue na bango moko, bango que s'adresser directement à l'État. Je pense que le débat c'est à ce niveau-là. À mon humble avis, il y a déjà une action avec la vision, il y a mise en commun, il y a vision, il y a unité nationale, la vision de la République. Oh, que mon Kondiambo, que Félix Antoine Tshisekedi a implémenté, bon, moni ba délégation, et Koutani, na, Ibandaki, pas cardinal, Mbongo, et que Koutani, na, Monseigneur André Révérend, Docteur Bokundoa, Bolikabe, ba Koutani, donc, le discours a changé, parce que, avec Wana, Pessi déjà un message que, Bango Nyonso, Ezala l'État, Ezala l'Église, intérêt Ezali, population. Donc, il faut qu'on ait un regard, mon côté intérêt, il y a population. Et, l'activité, on est salami, il n'y a que 24 ou 48 heures. Alors, il faut que ma structure, on est géré, laïque. Bazon, on a une église, bazoua une nouvelle orientation de l'église, bah, ils vont adapter leur stratégie par rapport à la nouvelle vision de l'église à Zalinango.
à mon humble avis, ils ont conseillé Naza au prodigé Bango, ba zonga na alignement à l'église. Parce que discussion au église à Zuina l'État, et ça lit un pas déjà à Makambo Bélé sur gestion de l'État. Donc, Bati Kablo Koana. C'est flou, hein, c'est flou, Fiondondoboni. Quand Ambongo a yambi ba différentes institutions, c'est au mercredi, a yambi ba différentes institutions, et il lance le message partir sur le nouvelle base. Nous voyons jeudi Calcese Milapro faire encore un point de presse pour annoncer une marche. C'est flou. Non, mais justement, Wana Ezali, c'est pourquoi je dis il faut échange, toute discussion. Qu'est-ce que la population peut comprendre bon, maintenant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être déclaration là-bas. Pour négocier et aussi m'battre, qu'est-ce qui se passe? Peut-être déclaration là-bas, Salama qui j'ai dit, bah, diffusé en vendredi. Oui, donc, la déclaration a été faite hier soir, jeudi. Non, mais. En bon mot, a été reçu mercredi. Bah, je tard au solo la terre. Donc voilà pourquoi je dis il faudra, bah, ça non, discussion là. Parce que va bah, marche, Wana. Mais réclamation. Même si là, ils ont vu l'audience. Non, mais réclamation, Anna. Ils ont vu, mais réclamation, Anna. Pour l'instant, ils ont la consistance et ma capacité. Au stade actuel, il faut tous les acteurs, tous nous engager pour aller aux élections. Aux élections, moto na moto, pour garantir transparence, il y a processus électoral déjà. Parce que ça, elle sous marche arrière. Et c'est qu'il. Et c'est qu'il parce que mécanisme. Là, c'est le moins, c'est qu'il déjà. C'est ni, Aza déjà la minimum, à moyenne, déjà, Azo Bandamakamounaï. Donc, et c'est qu'il. Il faut que l'acteur politique, non, se base à la lecture, il y a signe des temps. Parce que, moi, tout n'est allé qu'à mon corps. Ce qui processus électoral, les yeux retardent les lots. Et vous avez responsabilité à Nani. Baro Fing à Nani. Baro Lobela Nani. Baro Lobela Nani. Car à mon konzambo qu'à Félix Antoine Tshisekedi, il y a un glissement, qui glissement, à Saliboye, à l'Ekisita. Non. Donc, lui, mon konzambo qu'à a la responsabilité, il y a qu'à faire avancer le secteur Nios. Le lengue mon kazor au monde, il faut à relever le secteur y a social, il y a population, à s'il y a insécurité dans l'Est, à ça, il y a problème, Nios, gratuité, Nios, et si là. Donc, le lengue mon kazor au monde, c'est de la même manière. A poussé pe ba organe ou est responsable de faire fonctionner mes crises à CENI, a se rassuré que et salama. Voilà pourquoi tant à Monique ba mécanisme non se zala qui prêt à valider pour que mécanisme les ala fonctionnel. Tout ce qu'elle n'a deux ans pendant qu'elle est élection. Qui assumera la responsabilité sur l'élection salamité en 2023? Motomoro a tombé la moussapina assumé en côté. Tout le monde va encore tirer sur le chef de l'État. Voilà pourquoi il est important. Bissobanso, la vision de la République, ce qui est au Lingimboka. Tout réfléchir plutôt le lengenini na mécanisme on des okende moto la moto a rosala sur ba voix na endenge ba confoter la population et rosala effectivement yaye. C'est maintenant le moment ya ko discuter autant la wana. Il est démontré aujourd'hui parmi ba experts ya malamu ya malunga to ya makasi to la bango na mboka concernant pour ma campagne élection Denis Kadimaza na kati. Il est démontré aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce sont les confesseurs religieuses Bango Moko, de Babimisa qui est comme top parmi Bakombonios Oeyakiwana. Mais toi, encadré, ponete Asala Moussala Naye, Moussala dans les conditions meilleures, oui, Moussala, que tout le monde a la satisfaction à la fin. Je pense qu'à ce niveau-là, réflexion Salama, tout le monde a intérêt à Mboka, tout le monde a intérêt individuel à Bissoté. Mais il y a possibilité. Tout le monde a eu une élection en 2018. Machine à voter, pas de machine à voter, débat salaire malam makasi tout ça. Le président Félix a lobby que nous, l'UDPS, aucune élection avec ou sans machine à voter. A eu décision, Anna. Ils ont mis le mécanisme. Bah, l'UDPS, il avait compris, le chef de l'État avait compris contesté que par, la population... Contesté par l'opposition. Oui, contesté par l'opposition, mais si l'opposition avait contesté la machine à voter, tu vois encore là le problème, a contesté la machine à voter. Mais sur quelle base Azo réclamé qu'avoir gagné les élections? Parce que en réalité, ils ont demandé à ce que Batoua utilise une machine à voter, Batsala ba papier, ma combo batien nani. Une machine à voler. Une machine à voler. Mais sur quelle base? Tu vois maintenant la contradiction. Donc, ceux qui Azo ça les locaux, il faut qu'Azo la conséquent la Makamounios. Le chef de l'État à l'époque, M. Félix Antoine Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi à l'époque, à lobby, Tokoke l'élection avec ou sans machine à voter. Mais tu as élection. Mais bateau, il y a une possibilité. Il y a qu'on manipule. Babylon, il y a un résultat. Mais ils n'ont pas réussi. Félix Antoine Tshisekedi, abîmé président de la République. Donc, c'est pour dire qu'il y a possibilité de créer le mécanisme et au salaire que ce bolique qui bloqué machine ouana et simbaté, boté ma disposition qu'il faudra pour n'être, bon, sur un résultat, la bino. Donc, c'est le conseil que moi je prodigue et pas y.
y a acteur nyonso ba la terrain ba revendiquer babiloko oyo et retoucher directement la population, intérêt à la population. Je vois par exemple l'exemple il y a réduction à train de vie ou bien il y a pourcentage, je sais pas, charge, il y a institution, dépenses institutionnelles, tout ça. Si aujourd'hui l'église basali marche que non, il faut que réduction à train de vie est à la concret, tout ça. Tu vois que ce sont des marches qui touchent directement la population. Ils retouchent directement. Babylon ka boende, il faut que ça là, ils retouchent directement la population. Non pas Babylon ko oyo, eza ko ça là, ma pona positionnement personnel ou positionnement institutionnel. Là, ça ne fait pas avancer le pays. Voilà pourquoi, pour l'intérêt de la République, et Sengeli Bissobanso, total à d'abord, Congo, azana bezo a nini. Intérêt à Congo, ezali nini. Ce qui te moni intérêt à Congo, te posé ba acte dans le sens intérêt à Congo. To nous dépasser, to longo la bego na biso, mais tout monde intérêt à Congo. Mokondi Mboka voit l'intérêt du Congo. Voilà pourquoi l'institution à la nyonso ba sali pas. Ba ke vers l'église catholique, ba ke vers l'église protestante. Pourquoi? Parce que l'intérêt général est opprimé nyonso. La République a primé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et Sengeli Bacteur Nyosoana, Nabagitateur Nyosoana, Bakota na vision, il y a République pour l'intérêt en Boka Labiso. Fionono Boni, Cardinal Ambongo a lobby partir sur le nouvelle base. Une façon pour lui, Yarulongo Labosoto, avec tout ce qui s'est passé, ou bien accepter Kadima? Non, partir sur le nouvelle base, cela veut dire quoi? Accepter Kadima ou les rejeter? Bon, sur de nouvelles bases, c'est-à-dire la réalité au Nengezali, tu as mis mon tobi sonyoso, tu as avancé. Tu as avancé. Parti sur de nouvelles bases. Mais vous allez avancer comment? Donc, avec ce que nous, tout ce que nous avons entendu, les politiciens, comment ils ont crié sur l'Église catholique. Banana 1960 et l'Oua Malonga va s'arrêter. Non, l'Église. Les interventions, j'espère que Fiyundo Ndobonio est bien. Mais tu sais, moi, je suis. Moi, j'ai reçu quelqu'un ici, il a dit. Avant, c'était les écrits, les images, comment on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. À l'obité, na technologie, à l'élo, na écrit, na parole, n'y a pas de côté. Donc, sur le balbabim, ça dit, boum, de l'Ouana, n'y a pas de IDPS, Église catholique, c'est quoi? Depuis 1960, maintenant, regardez, façon atterrissage. Mais comme ouais, la différence, maintenant, c'est quoi? Avant. La différence, c'est quoi? L'Église, c'est le corps du Christ. Corps du Christ, c'est la représentation des Christ, des dieux sur cette terre. La souffrance que Christ a vécue, on a craché sur lui. Nous sommes en face d'un pasteur. Bah insulté. Nous sommes en face d'un pasteur. Autant il a une Bible, tout le temps raté Bible. Bah insulté. Bah mémie ne koulousou. Bah baké ne koulousou. Bah salié ma bé. Mais avant koufa, aïbi sinzambe, spère, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Okay. Et c'est ça la croix de l'Église. L'Église. L'Église a rotala intérêt yanzambe za wapi. A rotala l'unité ezali wapi. Kimia ezali wapi. Ba âme, rebazala, salut à âme ezali wapi. Développement social yabatu ezali wapi. Bon finga, bon sala. L'Église, il paye le prix, nous la yesu a payé qui prie wana. Donc, l'ikambako finga, ba finga le cardinal Ambongo, ba finga le révérend docteur. Les gens sont allés loin pour dire que Chole ne pas un. Ba salamès, ba finga. Nous avons reçu ces gens ici. Général, ba finga n'importe qui. Ba salamès wapi. Ba finga n'importe qui est l'Église. L'Église, c'est charge de la croix. Christ a dit si quelqu'un veut venir après moi, un, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà les trois conditions pour être disciple du Christ. Donc, l'Église se charge de la croix. Il y a des insultes ou à l'agneau. C'est pour dire que les insultes n'est pas en soi un problème. Le chef de l'État, pour l'intérêt de la République, ben, institutionne ce quota-là. Évêque Nabiso, Sololi. Maintenant, il faut avancer. Le cardinal a dit. Il faut token sur de nouvelles bases. C'est un grand message. C'est pour dire que Binokuna Boza agité, Binokuna Boza Kolobaso Kinini. Nabat Babande Kolobaki, c'était alors. Boza la Nakimia, Ngai Cardinal, Nalobi, nous partons sur de nouvelles bases. Même si Nazobaki, que j'ai eu des problèmes d'insécurité,
on m'a garanti que vous avez un problème. Voilà, surtout parce que le patron de la sécurité, il y a un beau Azala qui est sur place. Le conseil spécial, la chef d'État en charge de ma sécurité, Azala Kiwana. Pour dire que ma question à la Nyoso, Azala qui est réglée. Donc, y est le cardinal à MBC, Batou Nyoso, Bozalanase, nous partons sur de nouvelles bases. Monseigneur, le révérend docteur Bokundoa a dit que l'Église prône la paix, les consensus, l'unité. En d'autres termes, pour dire, le collaboré déjà pour la et pas la Bissau, c'est un soubassement de la paix, c'est un soubassement de l'unité. Donc, Bissau, tu as encouragé, peut qu'on soutenir Yango. Donc, voilà le message où est-ce que ça est que aujourd'hui, comme hier, le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso, à Lobaki, que l'Église n'a jamais eu de problème avec l'État, en fait. L'État et l'Église, il n'y a pas de problème. Peut-être les individus, Bazo Pelissamo, montent au point de l'attention. Mais comme institution, il n'y a pas de problème. Avant, on s'attaquait à lui, on disait l'Église catholique. Hein. Oui, mais le problème, ce sont les individus, les personnes qui ont parlé, qui ont fait les analyses sur l'Église ou le comportement des uns et des autres. Hein, les comportements des uns et des autres. Nous tous, on a fait des analyses là-dessus. Mais aujourd'hui, Toloba était, Ezali, pas mon aîné. Ou que, sous le leadership, il y a Mokondi Mboka, que ça, là, c'est pas là pour que Mboka est à la bombe, que parce que ça ne sert à rien. Tokéné, là, ma ponami, toi, là, ma discussion. Or, l'église catholique, l'église protestante, bah, ont représenté déjà, pondération, moi, quoi, important, na, Katia Mboka, la bise. Donc, bien que le processus est change les langages, hein. Non, mais c'est... La rencontre change des langages, même d'autres acteurs politiques. Mais évidemment, ça doit changer des langages. Mmh. Parce que le chef de l'État a montré l'exemple de la République. C'est-à-dire, pas l'intérêt personnel, mais l'intérêt, il y a République. Peut-être pas comprendre que c'est l'Église catholique, mais... Non, il n'y a quand même pas... Moi, chapeau, bakaka. Non, les problèmes, c'est la compréhension. Tu sais, la chose la plus importante, ce qui est dans l'Ikambo, ils ont une prise de conscience et faire le pas vers l'autre. Donc, Mokondi Mboka, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a dit que non, il faut battre tout bas à l'Alisanga. Il faut se rassurer que tout le monde a dit ça parce qu'il faut des élections. Pourquoi avoir pris tout ce temps-là? Non, les problèmes, il y a une question à tenter. Les problèmes, c'est le meilleur moment. Donc, le meilleur moment, c'était maintenant. Il fallait. Moto la moto comprendre rôle naé, responsabilité naé. Allez, osez la moi maquille, allez ça la mawana. Quelque chose bien que. Et à Baba Tombo qui est là avec l'Église catholique, aïe l'autre. Bien que, ils ont la volonté en Zambé. Sauf que salami a ta en Zambé, ils ont malamouté. Chaque chose a son temps. Il y a la volonté de Dieu, il y a les temps de Dieu. Il faut faire les temps de Dieu. Pour soi, Tazagi n'a pas mis son temps. Non, mais c'est le meilleur moment. Oui, c'est le meilleur moment. Makambozé Bélé, parce qu'il y a Roussa à la Katiamboka. Donc, ici, nous considérons que chaque personne, il faut considérer l'exercice comme étant un modèle, un exemple pour être tous à la Bomoko, Tokene na Maponami, Pakayalingomba. Déjà, l'église indépendante, l'église de réveil indépendante, il n'y a pas de problème. Baza déjà dans les processus. Donc, Pakayalingomba, église catholique, église protestante, Tienase. Donc, Nzele Fongwami, Bissoban Soliboke, Tokene Liboso. Ça, c'est la meilleure des choses. Et Fongwami peut-être répondre à Batouban Dimara, Kagima Tokoma. Non, l'Ikambo, il faut, ces problèmes, Yamboka, il faut voir au-delà du président Asseni. Est-ce que c'est ça le grand problème? Non, les problèmes, si on fait Batouban, ça, la discussion sur la personne. Ils disent non, Kagima. Non, ça, c'est ça le. Je suis désolé, mais faire un débat sur telle ou telle autre personne, c'est un faux débat. Il ne faut pas que les grandes personnes ne discutent pas sur les individus. Je suis désolé de le dire. Les grands esprits, bah, discutent à la batouté. Bah, discutent à la baïdé. Les moyens esprits, événements, bah, petit esprit n'est pas tout. Mais, bah, l'ingi, bah, toi, à la, na tête, y a sénité. Non, les problèmes, il faut pas débat, y a zalandé, ngwana. Les problèmes, il faut cotisango, na grand esprit. C'est-à-dire, makanissi, y a séni, zalandé, yénini. Moto Aza déjà. Déjà Moto Azali déjà. Maintenant, si quoi, comment avec Moto Ana, Tokoki Kokende, Poete, Tozalaba Ponami, Yakikoto. Parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Sauf ça, les marches arrière, cela veut dire quoi? Cela veut dire 2, 3, 4 mois de retard et qu'on a impacté sur le processus électoral. Moi, je n'ai pas fait de nouveau. Ronsard, il y a qui était. C'est qui? Non, Ronsard. Il y a Zalaki. Zalaki n'est pas bandé à processus. Et en plus, l'erreur
que l'ancien président de l'Assemblée nationale avait commise à l'époque, et Zalaki, que tant à Pessi dossier, il y a M. Malonde à l'époque, il n'a pas mis tous les sous-bassements, ils ont justifié présence d'Aewana. C'était une simple lettre avec les noms. Donc, oh, Mokondiambo, Kakoko validé un document sans sous-bassement. Il faut mon historique, Nyoso. Et à l'oko, là, on a la finance. Moi, j'étais chef de projet. Je suis toujours dans les projets. Donc, ceux qui n'ont pas une facture, avant de valider en haut, et à la next, il faut accompagner la facture. Voilà. Il faut avoir la bonne commande, il faut avoir un document de réception, il faut avoir la facture et la moto. Voilà. Il faut avoir la next, modalité de paiement. Donc, c'est ce qui facture n'est pas conforme dans le document. Donc, si vous poussez, vous avez validé le paiement. Vous comprenez? Donc, ceux qui n'ont pas la facture, moko boué. Na ofuta ngote na kozongi sango place outil parce que ezala ba sous-bassement te ko permettre ngana valider. C'est dans ce sens là que le chef de l'État avait renvoyé les documents parce que ezala ba sous-bassement. S'il y avait peut-être des sous-bassements convaincants, peut-être elle ngaro signé ngo parce que il n'est pas Mokonzi Mboka na processus au Assemblée nationale au salapo na choix. Il y a moteur désigné, il n'est même pas là. Azar Akati Kounate. Donc, Azar Koutoukounate. Félix est le saint. Azar Koutoukounate. Le président de la République est saint pour Fiyundo Ndobone. Non, non. Tu as vu le processus. Mokondamok, Azar Koutou, le processus Wanate. C'est la responsabilité de l'Assemblée nationale. A Pessi, ma confession religieuse, ma confession Babundi, ma Zongisi, à l'époque, Mabunda, l'honorable Mabunda, a commis cette erreur là à ce basou bassement il y a un pays. Mais s'il avait pris le soin à ça basou bassement, peut-être c'était Malonda qui allait être le président aujourd'hui. Donc c'est pour dire que le président Azakounate, la preuve c'est que le président de l'Assemblée nationale qui est responsable et à processus voilà y est moko apporter le poids avec tout le reste bazomona ba différentes autorités pour régler ecclésiastique pour leur régler la question. Maintenant, la réunion en soi, parce que bah, des marchés bandits, nous avons vu en Bongo, puis tout le monde, Bokundoa, qu'est-ce que ça va apporter? N'est-ce pas, moi, dialogue, mon réserve, s'est préparé en coulisses? Non, dialogue en coulisses, non, je ne pense pas. Dialogue au stade actuel, c'est tout ça, tout ça. Parce que la propre, c'est... Non, c'est tout ça, tout ça. Là. Bah, au Sénat, ils sont en train de non, crier dialogue, à chaque fois, dialogue, matin, soir, le dialogue. Moutoua au Sénat, dialogue, dans Mbokao, Lelo, Alingi Kongote. Parce que dialogue, c'est ça, là, tout zongissime, tout quoi avancer. Et un problème, il y a responsabilité. Non, et un problème, il y a responsabilité. Et tu es retiré la leçon na Makambwakala. C'est au sali dialogue aujourd'hui. Cela veut dire quoi? D'abord, un, tu as violé la constitution. De deux, tu sais, tu as ça la erreur, tu comparer la situation à l'époque du président honoraire Kabila, na à l'époque, il y a le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et ça, n'est pas moroté. Tu as dit que. Président honoraire Kabila a Azala qui fait mandat. Tant que toqué Genval na 2016, mandat à président Kabila, il fallait ici là na 2017. Non, 2011 plus 5, 2016. Mandat il fallait ici là déjà na 2016. Donc, il fallait à convoquer l'élection en septembre 2016. À convoquer l'élection en athée, ce qui fait que l'élection est salamité. Kabila était fait mandat et puis a côté qu'on consommait exercice et à fonction sans que Azala couvert. Voilà pourquoi dialogue et salamaki. Dialogue et salamaki pour n'abaper ça, il y a une certaine illégalité et légitimité y a qu'on gérer jusqu'aux prochaines élections. Parce qu'il ne pouvait plus, Azaki n'a pouvoir à mon côté et permettre à engager République pendant que mandat a 5 ans et les kaki déjà. Et voilà pourquoi l'Église catholique a joué un rôle important, accord à Senko, tout ça, pour régler cette période transitoire, même sur l'élection en 2018. Mais pour l'instant, toqué dialogue pour Nani, le président Félix Azali, sous mandat, à Tikali, à la troisième année, donc dialogue est en un sens, mon côté. Parce que faire le dialogue veut dire qu'on touche mandat Naé. L'unique dialogue, ou échange, et à l'oko là, notre président Sénat. La présidente de l'Assemblée nationale, les institutions, comme on a cardinal Ambongo, avec le président de l'ECC, Monseigneur Bukundoa. Et c'est ça, justement, l'essence des échanges, de la discussion, eux que ça dans les cadres institutionnels. Mais dialogue, tout ça, après, Boponi, Premier ministre, tout ça. Mais l'Assemblée nationale, son rôle, c'est quoi maintenant? Majorité Assemblée nationale, rôle, l'angoua le Sounine.
Donc, Babilo Kwana Nyoso Yaba constitutionnel, Tobwa Kangonase, poète et privilégié, Songoloto Pakala, Alingi, absolument à mettre plan naïe en actif, à mettre plan naïe en fonctionnement, en contradiction, en violation flagrante de la Constitution. Non. Wana Tokozonga Sima. Totikali 2023, il y a élection. Tokangi Mitema, le président actuel du chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, au Azali, na plénitude, il y a pouvoir d'agir, d'action en RDC. Azana, quelques années qui lui restent. Il y a Monique, na 2023, Akogi ko challenger. Poète à l'obakago sala mieux, à retirer l'Iba en 2023. Mais le président Félix a démontré aussi qu'il a fait quelque chose avec les deux ans à Bagisamaka Moussousou. Poète à la réélu à Kreti 2028. En 2028, à retirer Kassali de Tournaé à président de la République, Motomoussousou Aroya. Tout ça, dans le système, il y a relais. Oya Sali, Moussousou non pas que, on souhaitait que Oya Zawana et Simbate, Yakane na Makanisi, Totongamboka. Parce que la République demande à ce que Motonamoto a pétia pour être Boke Kendeliboso. Fiondando Boni, j'espère que vous serez candidat 2023. Candidat où? Mais je serai candidat certainement quelque part, à niveau, mais au niveau présidentiel, on va accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour soutenir pour un deuxième mandat. Quoi pical, Fiondando Boni? C'est d'abord la République qui compte. C'est la République qui compte. Non, c'est pour dire que c'est la République d'abord. Moi, je suis architecte. Un architecte professionnel. Moi, mon salaire, j'ai une expérience. J'ai été consultant à Banque mondiale. Nazala qui est dans groupe Barty, Airtel, pendant plus de comme directeur là-bas plusieurs années. Donc, c'est pour dire que j'ai l'expérience professionnelle. Maintenant, je suis général manager de mon propre cabinet d'architecte. J'ai l'expérience dans la gestion des projets. Oh, de la non, c'est pour dire que il n'y a pas de problème. Là, c'est mon expérience personnelle. Pour dire que Nazan n'a compétence suffisante pour permettre que Nasa la Moussala résultat à la congrès, résultat du genre Gilles Alingué Tiaza au sala la secteur de la finance, bisopé jour mon conduire au pèse, bisopé occasion à la après. Torbima, ba fiyoun de nobo ni moussousou na niveau ya jil angengengete, oye ou sala ke moussale kende, tout le monde est en train de dire que changement réel est à côté, voilà. Parce que, mou konzambo kala ma boko mi balé, mais yé mou kon sa moussa non sotote. Et à la bato, ceux qui appellent sur confiance, appellent sur responsabilité, il faut au kokako accomplir avec succès, place appellent sur responsabilité, parce que succès na wanande ou concourir, na succès global, y a ambition politique ou yazan ropo na mboka. Dans la suite, Moutassali était aussi mbatté. Tout ça, la biso, ma soldat, toi, la biso dans les coulisses, dans les calmes, mais du moins, au meilleur moment, t'as quoi apparaître, t'as au la moussala, et puis changement, la secteur, la biso, t'as quoi apporter pour l'intérêt à Mboka, et pour le succès. C'est bien dit, monsieur l'architecte, Organisation nationale des architectes. Ordre national. Des architectes. Ordre. Ouais. Yo, moro bandi, on a. Nan, il y a un chapoté, on a. Non, bah. Les alli. De confus dans nos boni, tout le monde a beaucoup à Brunel. Voyez, bah la rassouté, surtout pour le soir, la journée, la binoana, au rapuna Brunel, pas petit plan, ma fille, au rapuna, ma fille, au peuple, au bas, qui te l'a dit, on a un tensi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, bon, ce dossier-là, la ligne à l'obéla, la vérité, et à l'occola. Et on tombe au lit à Wate, je suis architecte, je suis ici, c'est là. À l'occola. Si quand on a tout le monde, l'ona et à bébé, la vie, c'est toujours batté là. Président, il y a architecte, Eza Wazar au lobela, yo. Tosaïb élection à décembre, le 12 décembre 2020. Il y avait 370 quelque chose à architecte. J'ai été élu avec 216 voix. L'ancien président, il y a souhaité des architectes Brunel, parce que le premier ordre, il a, oui, le premier ordre des architectes, c'est Oyabissou. Donc, a été élu avec 100, je crois, 160 voix.
Donc, jour Wana après l'élection, il a donc, fait Bata un... Donc, c'est ça ouais, bien sûr. Mm. Il a fait un beau discours, vraiment, architecte Nyon, Souba Betelé, Maboko, félicitations, tout ça, Tozu Bafoto, Toyambani, malheureusement, Toyambani, c'était très bien. Donc, c'est passé aux infos, tout ça. Bon, une semaine, quelques jours après, bon, il s'est plaint à l'objet que... il y avait des régularités. Je ne sais pas comment ça pouvait se faire parce que c'est lui qui avait organisé les élections. Mais le Conseil d'État doit faire son travail. Oui, mais bon, mais le Conseil d'État a intervenu qui, à un certain niveau, parce que Bako Tsa qui plainte na Bakoma qui na cour d'appel, cour d'appel justement pour annulation et à résultat il y a élection. Ils ont accusé au niveau de cour d'appel. Voilà pourquoi tant bâti en haut, le Conseil d'État pour Nabasenga. C'est maintenant que je maîtrise ma blog à justice. Voilà, n'ayez pas qui a voté. Bâti le Conseil d'État pour na en attendant que cour d'appel a jugé, va suspendre le résultat de l'élection. Le Conseil d'État, il y a eu deux jugements. Jugement Liboso Balobi que non, il faut pas suspendre. Jugement Mibale Balobi que non, Conseil d'État compétent va suspendre. Donc il y a déjà contradiction devant le Conseil d'État. Maintenant la cour d'appel. Cour d'appel à lobby à répondre il y a trois semaines ou un mois à répondre que Aza compétente pour na gérer à juger ça la jugement Anna. En d'autres termes, Aza va problème interne, il faut ça la on assemblée générale Nabino. Il y a compétent en côté. Or assemblée générale déjà ça a pas si position là. Tu vois, il y a ngonde sikoyo ndeko la biso confrère Anel a attaqué. Bon, Aza li appelle na Conseil d'État pour na loba que cour d'appel, jugement à lobby, ils a jugé bien t, à ça, il a conseil d'État. Bon, il a fait son appel, c'est son droit. Nous sommes dans un état de droit, et à droit, et à ça, là. Mais ça ne dérange pas, ça ne suspend en rien le fonctionnement normal du conseil. C'est lui, Yem Taza, plein, Aza, comment on appelle ça? Aza, Azo réclamé. Il y a le quoi, l'élo, la mouka, à ça, les qui, Azo réclamé. Le résultat des urnes, vérité des urnes. Mais si les lots, bazo continue à réclamer. Bon, c'est pareil, il n'y a pas à réclamer vérité. Bon, ben, du moins, le chef de l'État exerce. Mboke au continuer à ça le résultat. Bon, nous aussi, nous continuons. Mais dans l'entretemps, vous êtes toujours président, c'est ça? Je suis le président de l'Ordre des architectes. Vous prenez des décisions par rapport bien à... Bien sûr, okay. Nous installons des institutions, toutes les commissions... installé ma commission nyo sondenge mibe ko sengi na biso ma commission 5 commissions te sont installées y compris les conseils de discipline to installé en groupe le mois prochain to ko installé ba secteur ba province hein, on appelle le l'ordre niveau provincial na Katanga Kinshasa nord et sud Kivu to ko installé en groupe. Donc au plus tard fin du mois janvier on aura tous ces conseils provinciaux qui vont fonctionner et l'ordre va avancer. Au mois de mars de l'année prochaine, on aura notre assemblée générale ordinaire et c'est au cours de cette assemblée que tu auras publié tes tableaux et année 2022, les choses vont avancer et le reste, les organes compétents de la corporation vont s'en charger. Ce sont des confrères, hein, ils sont inscrits au tableau, bon, ils peuvent exercer, mais s'il y a des problèmes, c'est le conseil de discipline qui va s'en charger, ils ont gâté. Donc, nous, on voit la République, okay. L'intérêt de la République, on n'est pas là pour créer la confusion, tout ça. Déjà, c'est une honte. Tout ce que je dis là, que les téléspectateurs hein, m'excusent parce que je n'aime pas parler de... C'est vraiment une saleté. Balim Bissabiso, il n'a pas dit que Bélé, Mité, Mesopak, Mesokamaki, Ponanini, pendant que Mboka, Eza, la reconstruction, Mokonza Mboka, Zosala, tout ça. Et puis ça qui image à bien, Balim Bissabiso, mais ça a beaucoup de à quelques personnes, mais du moins... les choses vont dans la bonne direction et que wow, l'impérium est allé dans la gestion à Ona. Fiondo Ndoboni, récemment là, Boutakiko a annoncé une proposition de loi contre l'incitation à la haine tribale. Les lots aux puis la proposition de loi. Et Soukara Kanakati, il y a bureau, il y a Kitoko, il y a la galerie Albert, sur le côté, sur mon cadre, le relation côté Belgique, to Paris. Et Soukara Kuna, aux Aliouap. Non, de la Etikali, Tosololaki, il y a quelques semaines, le président à Sénat, président Bahati, Tosololaki, il a présenté qui est ébauche, il y a motivation, il y a projet. Il était très content. Il faut la mon président de l'Assemblée nationale. Le temps que toilettage, il y a document et au salama. On n'est pas pressé, hein, mais du moins, il fallait Zala, ceux qui est côté proposition et côté, et Zala directement, et Zala sujet, il y a bah, tac ming, t'es pour les à rejeter. Des fois, toilettage et salama bien.
na échanger na président Sénat à comprendre vision à sepeli na idewana mena itikali ce qui président ya Assemblée nationale a comme moi m'ke dégagé avec tout recoute à la peine être représenté banini wana et après ce qui équipe juriste la biso ba si ici étape wana mio ce document est comme complet toi l'étage mobile sili to que le déposer parce que ça important pour être ba discussion ebele tozui na mboka la biso mikola suka awa ezay na sous basma tribal. Or sous basma tribal ez excellence tes a médiocrité. Je n'ai pas dit que ba tribu na biso ezali mabé, koza l'attachement na mboka no ezali mabé. Ba attachement na mboka na biso to ya tribu na biso ezay une source d'inspiration pour na te ba ko apporter en gros pour l'intérêt national. So tali ba artiste na biso il s'inspire à la musique ya mboka. Baza ko sala sur le plan international ezo matsa bende la mboka avec plus de 450 tribus, tout ça la richesse makasi pour na mboka na biso. Mais richesse voilà, il faut te toi exploiter en gros pour ne banda ko détruire biso. Parce que tel aza ekolo boye, tel autre a tel ekolo boye et que baromi balé baza la compétence jugement ozala que à cause pour la baie kolomoko tozo amututé. Non. Tout ça ce sont des éléments donc. Ou parce que tel aza ekolo boye tant que nazar osa la ba nomination nangai, il faut la tenir compte également pe na ba présence ya batumi susu pour être batouana pe bazwa musala non pas na zaka na réflexe ya mboka na ngamoko. Donc de part et d'autre il faut tala bloc wana et aussi il faut tala soubassement unité nationale. Aujourd'hui, ce qui problème est commis na est lelo et que mutuya ouest azo se sentir concerné, c'est parce que ezala mukongo, ezala musuku, ezala mungala, ezala nani, il se sent concerné attaché na population swahilophone ou nande ou azana est. Pourquoi? Parce que cohésion, unité nationale, on est salamaki. Jonction à la population est salamaki. Et les lots, banande et belé, baza, exercer, comme ça, la plantation à café, et tout, puis l'équateur. C'est ça l'unité nationale. Donc, moutou la mouta, que ne place n'y sont sans qu'à sentir ma barrière. Donc, c'est un peu toutes ces barrières-là, Tolingo, quoi, il bouka, de manière à ce que, dans l'unité, tout on a d'une manière efficace mboka na biso. Donc voilà un peu la motivation. Mais qui a senti vraiment le bloc à tribalisme? Ce sont les acteurs politiques. Ce sont les acteurs politiques, acteurs ecclésiastiques, religieux. Aujourd'hui, c'est les loups qui sont victimes. Oui, mais c'est ça. Avant aussi, ça se disait Minasema, c'était ça. Oui, mais c'est justement, il faut. Minasema, bah vraiment le quoi, koye ko la swahili. Osa par exemple. Les loups où est waku banga mututé. Et Mbikeyende. Il y a ça d'une part. Les leaders politiques. L'éducation, justement, de personnes. Tu as dit que langue officielle, Yamboka Ezali. Le discours à retenir dans place à Moussala, Ezali. Maintenant, place à Moussala, ce est commis langage, la langue ethnique. Ce n'est pas la langue officielle. Ça, c'est la discipline du gestionnaire. Vous comprenez? Il y a tout. Binom balé boro soleil, pas de problème. Moi, j'ai mes frères, mes cousins, je ne sais pas quoi. Ce tout le place, m'soussou, n'a les calmes, caraboué. Lobby, moi, mouki en langue, tout ça. Mais c'est entre nous. Mais Eza est comment institutionnel, t'es, en fait. Tu vois le problème? Et aussi, il ne faut pas donner l'impression que, il y a, comment je vais dire, seulement tel secteur, moutezo dominé tel autre. Donc, la loi présente cet équilibre-là. Tu étudies ma paramètre, voilà, nyonso, pour te présenter équilibre-là. Parce que, ton monde dans l'histoire en Mboka Labiso, chaque fois que Mboka et Zalaki unis, ton bossalaki ma question tribale, toi non que Libousso. Exemple, par exemple, table ronde à Bruxelles, exemple, San City. Mais chaque fois, ton monde qui ma idée tribale et comme au quota, Mboka et Zalaki. Donc, il est important pour nous, tout le monde a une idée tribale, voilà, tout mon intérêt en Mboka. Nous sommes des Congolais. Évidemment, Nakati a Congolais, Moutou na Moutou, Aouti, quelque part. Il y a des types américains, ils ont le passeport américain, Ata Moutou à Texas, Ata Moutou, ceux qui y a New York, ceux qui y a Mboka Nini. Mais c'est un américain. Il a la fierté de se dire américain. Donc, Moutou na Moutou, Aza, que défendre l'intérêt aux États-Unis. Et l'État américain protège chaque personne. C'est pareil, il faut tout ça là. Pour être cette nation congolaise, ils ont la soudée Makassi
Munguna akoka ko fragiliser bisoté. Mais comment qui récemment objet à moquerie, c'était partout sur les réseaux sociaux, ba cité na ba différentes institutions, o moluba. Donc il peut être la mingi té na débat au sein de l'État. Na débat ou té ko le kana assemblée nationale ba bi commission mixte paritaire ou batia qui pour prendre Kadima, il y a que il y a sept louba qui ont filmé. On me dit que débat na ceux qui te coach. Les gens aussi quand ils voient le nom de Kadima bon. Ouais, mais débat à ce côté-là, Robert Amoutou. Sinon, Oloba, bon, avec tout le respect de mes évêques, Oloba que non, comme le cardinal Ambongo et le Monseigneur Bukundo à Ba province Moko, Robert a un tribalisme, que ba salari choix, ba Zalamopandi, je pense pas. Tu vois, sauf que la réflexion, là, Rosong Sambo Kassima, tu vas pas dire que le cardinal Ambongo, na Monseigneur Bukundo, parce que Bruno soit équateur, bah ça là est coterie pour n'avoir levé option pour n'avoir se désolidariser des six. Non, débat en négociant ça dissocie. Toi là on besoin de. Il faut laisser l'indépendance et à raisonnement à Mutu na Mutu au-delà de son appartenance tribale. Il faut laisser. C'est qu'il faut voir et ça idée. Est-ce que idée on a zo apporté et ça valable pour les fans et faire avancer Mboka na biso. Est-ce que idée proposition à zo ça là et ça utile pour nato améliorer développement la biso. Mais ce qui aux hommes on a proposition t'es aux hommes on a appartenance tribale tout ça la jugement moko erroné vraiment à côté. Aujourd'hui qui peut me citer aujourd'hui sort même tenant même dans la musique chrétienne aujourd'hui. Tangelanga ba star il y a musique chrétienne oyoyebi. Sur Otangi, tu vas te rendre compte que 80% est Kolomoko. On va dire aussi que c'est le tribalisme. Mais quand il s'agit de la moutou, on a eu un musicien chrétien, on va faire la moins succès. On te rend compte que les écoles, on va bien sûr que pour la remettre ta musique, quoi, pour la remettre ta tribaliste. Mais non, et ça, ma talent, ça, ma pèse à moto, la moto, à développer, on a dégagé naé. Tu comprends? Sauf que le lon armé, on constate que l'école européenne a mis une armée. On a un tribalisme. Non! Donc, nous avons appelé ça biso batou, nyoso. Sauf que tu as les quatre cartographies en boca la biso, tu vas te rendre compte que, na comportement, il y a nord, il y a est, il y a la comportement moroboé, il y a ouest, va appeler la comportement moroboé, bah, comportement, il y a la richesse culturelle, et au salaire, tout capitalisé en haut, tout qu'il est en haut, liboso. Bah toi est par exemple bazar fort dans renseignement parce que bah un esprit à discrétion makasi tout ça bah là vraiment makasi munga laza lo barana e gaza muté ma bimisarale pas facilement mais mutakasa a tchaka mo exagération muké donc bah toi là bah fort côté marketing donc c'est pour dire que mutu muta ya Congo central bango arose la atada la 10 millions ou ebisi oza la combat ebiso na mbongoté donc mutu la mutu a la moins force là quelque part. Et qu'on va la capitaliser pour une bonne gestion de la République. C'est là qu'il faut voir les choses. Non pas comportement éphémère des uns et des autres. Quoi. Voilà. Findondo Boni, je reviens à vous tout à l'heure. Nous demandons à Précis Mouyoko de nous balancer les éléments. Le jeune de Kanyama KCC à l'étape de la pratique professionnelle. Les FARDC ont libéré une cinquantaine d'otages entre les mains de ZADF dans les territoires d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Et enfin, les conflits opposant l'église Chapelle de Vainqueur à la famille Ekakanga. L'église Chapelle de Vainqueur défie la justice. Précieux Mouyoko. Après quelques mois de formation paramilitaire et en agriculture, de jeunes délinquants transférés au service national à Kanyama KCC, place maintenant à la spécialisation en menuiserie qui produit déjà ses fruits. Jean-Pierre Kassongo, commandant au service national, explique. C'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le premier bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs. De 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que le 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Un autre bataillon est formé en maçonnerie pour la construction de bâtisses et des centres de santé. Parallèlement à ça, nous avons la formation en construction. Vous avez vu les bâtisses que nous sommes en train de faire. L'objectif, c'est que nous allons le mettre aussi à contribution. Ils vont commencer à construire les écoles, les centres de santé. L'objectif, c'est qu'avec un bataillon, qu'on soit en mesure de construire 50 salles de classe par année.
Ces différentes formations permettent non seulement la réinsertion de ces jeunes, autrefois appelés Kuluna, mais aussi et surtout le développement de la RDC. Imaginez maintenant nous diplôquons cette expérience qui est au centre pilote Laurent Désiré Kabila. Dans chaque province du pays, nous avons ne fût-ce qu'un bataillon de bâtisseurs. Quand vous faites ça par 10 ans, vous multipliez sur les 10 ans, nous serons en mesure de scolariser plus ou moins 2 à 4 millions d'élèves juste avec les bâtisseurs. Vous voyez que le pays peut aller de l'avant. Ça, ce sont les objectifs que nous avons à moyen et à long terme. Mais dans l'immédiat, nous voudrions que d'ici à la rentrée scolaire prochaine, 2022-2023, que le service national avec ses bâtisseurs soit en mesure dans la contrée un peu plus ailleurs, en mesure de scolariser pas moins de 50 000 élèves. Le bénéficiaire de ces formations remercie les autorités du pays et ne regrette pas de leur arrivée à Kanyamaka CC. Ah, viens là-bas, ma tchèbe, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous sommes tous les gens là. Mais nous sommes tous les gens là. Parce qu'il y a une image, il y a bien une idéologie à ma lame pour la bisou. Mais les gens, ils sont tous les gens pour faire. T'as l'air de tout ça. Ah non, tout ça, non, tout ça, non, calme. Tout ça va guimia, tout là va bien, tout là va bon, j'ai calme. Bah, tout ça, bah, y'a un bisou qui toco. Donc, on va mieux se les gars bien. Un exploit de plus pour les forces armées. En Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles des combats au village Manzobé dans la chefferie de Wallace Vankoutou en territoire du Rumu. Parmi les otages libérés, figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui s'allient les professionnalisme de FRDC. Nambala mobiso kokota masasi bandiko beta babeti masasi ngana nzu masasi na maboko babeti masasi na bapine bisekwe baeba pasoli paraprise ali babandiko msa ba passagers nyoso kutia bango singa bwa tumoni bakonzi bayambiso malamu bisibiso biloko akolia tuka nzu sécurité peza na no atuza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments des forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Wallace Vankoutou et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny. La famille Kakanga ne cesse de s'interroger sur ce qui bloque l'application de la décision de la Cour suprême de justice, devenue la Cour de cassation après réforme de 2013, alors que cette haute juridiction du pays avait rendu l'arrêt RR2586 du 20 avril 2016, lequel arrêt a démontré toutes les irrégularités qui ont entaché l'arrêt RCA 9567 rendu par la Cour d'appel de Matete. La Cour suprême de justice en son temps avait, après examen des griefs, prise en compte tous les éléments présentés par la famille Ekakanga, mais reste à s'interroger si c'est au nom de quoi l'église chapelle des vainqueurs serait en train de défier la plus haute instance judiciaire du pays, d'autant plus que cette église continue à demeurer toujours dans cette concession querellée située à la 5e rue Lumeté Industrielle, alors que celle-ci appartiendrait à la famille Ekakanga Tapala Nicolas, d'après le prononcé de la cour. Jesse Kakanga, l'un des enfants du feu Ekakanga Tapala Nicolas, cherche à comprendre ces dossiers alors que les défendeurs avaient engagé une procédure de prise à partie contre les magistrats de la cour d'appel des Matete qui avaient failli à leur devoir dans ces dossiers. D'autant plus que la cour d'appel des Matete avait déjà vidé sa saisine, il était donc impossible de revenir sur la matière vidée. Au-delà de tous les dérapages constatés dans cette affaire, le ministère public vient de donner son avis favorable à la famille Ekakanga. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait de l'état des droits son cheval de bataille. Cette famille veut que les effets de l'état des droits soient leur applicables.
Malheureusement, il se constate, selon la famille Kakanga, du dérapage de certaines règles de l'état des droits. Pour mettre fin à tout ce qui ternit l'image de notre justice, Jesse Kakanga, qui engage toute la famille du fait et Kakanga Tapala Nicolas, veut voir la décision du ministère public être respectée afin qu'ils recouvrent leurs droits qui se voient être piétinés par les usurpateurs de mauvaise foi. Merci beaucoup, précieux Moyoko. Voilà, Fiondo Ndoboveni, nous revenons à vous. Vous avez suivi tout à l'heure le jeune de Kanyama Kasese à l'étape de la pratique professionnelle. Approche Kuluna, Kanyama Kasese, n'est-ce pas une bonne initiative? Parce ouais. que du point sécuritaire, Ndeyoni Nyoko Mona Lilo, Villa Kinshasa, après Kebatinda. Bon, s'il faut dire le bandit. Oui, parce que Oezali, solution durable. Au moins, la question sécuritaire, un bon responsable à traiter la question sécuritaire d'une manière globale. Première question, banana ba komi l'insécurité ndenge ba komi ba gestionnaire insécurité ndenge nini. 1, peut-être bazo tangaté. 2, baza n'occupation té. 3, baza ba papa na bango bazo s'occuper na bango bien té. Toutes ces choses là bazo zo influence à mabé et zo permettre bana ba ko tanza. Bo sa ni pe mon quoi hein. Parce que pasteur, justement, il y a tous ces aspects-là et au sala que Banawana Baza exposé. Maintenant, sur Amokondiamboka, il faut voir d'une manière globale. Voilà pourquoi le chef de l'État a traité cette question d'une manière globale. Un, Otangate, gratuité, il faut aucune des classes. Parce que ceux qui ont occupation déjà aucune des classes, ils ont tenté. Il y a s'occuper nabuzoba mususu parce que tu es occupé par tes devoirs, tu es occupé lobby faut salaire mbazo formé yo tout ça. Il faut pas oublier que Namboka o tozali na 33% ya to ya banalphabète. C'est-à-dire 33 millions de Congolais baebi ko tangate, baebi ko komate. Donc Batouana ba déjà na un problème sur la capacité de gérer ou de réagir face à certaines situations. Alors, deux, misusu oyo to misusu à part classe chômage tout ça mokonziamboka amoni tellement que makambwana eza la complexité nango azo régler ba problème en amont. Donc mutuana oyo azo subir conséquences kuluna puna ya irresponsabilité à l'État, il faut pas que l'État d'emblée a condamné boye. Non, il faut créer les opportunités ya kozonga na vie normale. Voilà raison d'être ya centre oyo bakangi bino. Bozomona ngoneti et a pas si mais bin moi batindi bino bozwa formation na formation là boko comprendre si que bakangale biso pon intérêt na biso. C'est un peu la situation toi na ngona mboka pour l'instant. C'est-à-dire population zo ko lela sur le plan social tout ça. Oui, c'est vrai, la situation est dure. Mais ezali période il y a traitement et a lokola soko zoki pota poteza monene médecin azo nettoyer d'abord na kati. Tant qu'on a nettoyé pour ta na yo za romona que aux hommes on a pas si au bac que médecin zo lingo bomangai azo nyoko langai. Mais la vérité c'est que azo nettoyé wa po na tse okisi malamu po ete obika d'une manière durable. Alors c'est un peu le travail qui se fait maintenant. Donc na katia mboka dans cette difficulté IGF osa mosala ni osa mosala de manière à ce que mbongwe kota la caisse à l'État pour être répartition et cela d'une manière équitable moto la moto aza oyaye. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que initiative oya toti olanda sikoyo ça entre dans un système il y a solution globale, il y a question sécuritaire et zaka raté ko kanga mutu otie na boloko mais après 5 ans na soka bimi comportement de ozalande yenini. Peut-être aux à la pire que tant à côté qui. Voilà pourquoi, ben initiative, il y a solution durable. Au Mokonzambo Kazakozoa, et au Salama, na sens, il y a qu'on formait, ben toi, toi, ben Rosonga, ben ça a un apport. 1000 bancs par mois, ben ça produit. Pona, qu'on apportait na menuiserie. Ben sali, ben maïs, et ça alimenté, cantine, il y a ben militaire, il y a ben policier. Tout ça. Ils ont quoi accompagné pour scolarisation. Ils ont accompagné pour scolarisation, ben l'élève. Tu vois que, Mouke, Mboka et Kitaki tellement nassé. Biloko wane zalarabanda ka la service national. Mais non, fonctionnel du souté. Mais, ezako zonga malé, mais dans quelques années, Romona ke, ekoza na capacité à créer autosuffisance alimentaire, moutona mouto, tozane sengo biso banso. Pensez-vous que de marche ou non, soit approche ou anne, qu'on permette réinsertion à ba jeune ou bazoué? Absolument. Oui. On permette réinsertion à bango. Parce que, tala loko la moto à Ekoli Moussa là. Déjà, certainement dans la suite, il y a procédure.
baroza la système au sali musala tom logo wat ba la moi rémunération na bango rémunération na rosa na moi famille nae abali aboti ala libota nae a okotsa ba ane classe. Tu vois déjà que c'est une réinsertion. Donc abimi déjà na ligné moroboé baninga o azay na bango avant ba kangaé rosa sou mais baninga te fréquentation les ont changé, comportement les ont changé, ba réflexe nae ont changé, ça sera une autre personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle un management responsable. Il y a qu'au développer l'humain, parce que l'homme reste au centre et à vision à Mokondi Amboka. Et différence ni aux autres établis au Lelo entre opération Likofi et Kanyamakassi, c'est envoyer les gens civiques dans Kanyamakassi. Non, l'opération Likofi est là qui une opération, il y a sanction sans pour autant étudier le mécanisme, sans pour autant étudier les causes et trouver des solutions durables. Mais ça toujours dans la prison ou comment? Je n'ai aucune idée. Là, peut-être, il faut poser la question. Je n'ai aucune idée. Hein, parce que n'aime même pas le nombre de Kangamaki et combien Bazali. Donc, il y a le cas là, Lelo, une fille, Oazali violée. Une femme, on a parlé de violences faites à la femme. Une femme, Oazali violée, au-delà de l'acte subi, et ça a toute une réalité morale en son intérieur. Au gros, ça, là, qu'on traitait, bah, fait. Mais sur le traité intérieur, la personne sera toujours dans une position d'emprisonnement. Il y a problème permanent. Donc, solution, on a besoin d'apporter soigner l'homme. Parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre. Ce sont des personnes qui sont encore fortes. Donc, on tient un aboloko, c'est vrai. Crimoana, peut-être, et au Sengaye, prison à vie. Ou bien au Sengaye, Babomaye, ou bien à Ozala 5 ans. Mais après, suite à Vini Anderenini, or, via Motope et Zali Sacré, il y a tout un débat entre Koboma, Tony, vraiment, il y a tout un débat autour de ça. Or, nous avons besoin aussi de la main-d'œuvre. Donc, mieux vaut capitaliser, mais fort, voilà, bah, disons, ma garçon, ben Ngambé, ma casse, tout ça, mieux vaut capitaliser cet effort-là. Côté, il y a production en Mboka. Et je pense que c'est ça la solution durable pour Mokonza Mboka Zui et Zali utile pour le développement Mboka. Donc, approche et à Kanyamakassi, c'est plus meilleur. C'est meilleur, oui. Ils approche et à Kanyamakassi, c'est Zali meilleur parce que c'est la solution Moko durable, quoi. Et Zali temporaire. Et nous avons aussi suivi avec vous les fardés sont libérés, une cinquantaine d'otages entre le mât de Zadef dans les territoires d'Irumu dans la province de l'Ituri. Cette situation est à état de siège. Déjà, nous sommes dans la 12e prorogation, ce qui a été décrété. Et puis, nous avons suivi aussi dimanche au Elekaki, Tomonaki, massacre au Elekanaki, dans la mission catholique d'Odro. J'espère qu'Olanda qui a eu une attaque à Bakadeko. Maintenant, état de siège, où allons-nous avec cette histoire? État de siège, ça fait 12e prolongation, donc ça fait plus ou moins 6 mois, parce que c'est 15 jours par prolongation, tout ça. Mais pour une guerre qui aujourd'hui, ça n'a plus de 20 ans. Une guerre, Tobandi a plus de 20 ans. Au guerre, wana, c'est tout un système organisationnel, au batou, en krango, pour enrichissement personnel et enrichissement, il y a un groupe, une force, moussou, c'est ça derrière. Ce n'est pas en quelques jours et aussi là. J'aime toujours copier ces illustrations. Moko ya docteur Muyembe après ça kango na landaka attentivement quand il s'agit des épidémies. Ce qui épidémie bandi na mboka et bandara nasé et romatati ko atteindre point culminant tant ko atteindre point culminant et bando kitati et sili. Mais pendant qu'épidémie zo matawana ba traitement zali ba ki se zali ben fort ya nini tout ça mais ezo matakaka. C'est un peu le comportement de la guerre au Tuzanangolelo. Batoua la nyon so bazala qui dans leur zone de confort. Bazoua qui ba territoire. Tout le monde a image à une cinquantaine d'otages, c'est-à-dire qui libérés. Bazala qui na ba territoire. Bazala qui dans leur zone de confort. Bazala qui opéré avec liberté. Maintenant, état de siège. Eye na effort yako kundola bango dans leur zone de confort. Mais tant que zo kundola bango dans leur zone de confort, ba na résistance. Bazo bo yako kende. Maintenant, justement, maintenant pour la boue okende, Bazoli n'a pas cette impression que Bazali, Bazar Makasi, Bazo ça va trop citer dans son bazar au sala wana. Mais pendant que Bazar au sala yango, Bazar au zonga sima. Et c'est là maintenant la courbe. Courbe on peut cette impression ya ko mata que tuerie est comme belé, ni ne comme belé, mais à un certain moment, il va atteindre point culminant et ben c'est dommage parce que ça va vie à bateau. Il va atteindre point culminant et ben kita. Si et aussi là, état de siège Oyo, ils ont la solution ultime.
pour la Russie de sa guerre au Est. En dehors de la diplomatie, de la politique et le côté militaire, c'est la solution ultime. Moto Oyo a la solution meilleure qu'état de siège. A terme sur la table, je pense qu'il n'y a pas. Donc, l'état de siège, c'est la solution idéale Oyo que Mokonzomboka a déployé à Zouaki promesse la population que sous sa mandature, guerre et aux ala conjugués au passé, il tient à ce que guerre Rwanda est si là. Donc, on doit toujours continuer à proroger l'état de siège. En tout cas, à mon humble avis, on prolonge jusqu'à ce que Mungunawana Wana Yasuka Toko traqué. Même si on prolonge ça 15-20 fois, ce n'est pas un problème. Il y a Dieu donné Kishi d'ailleurs qui dit même à ta 50. Même à ta 100 ou 200, il n'y a pas de problème. Parce que Toko Kelena guerre en gros, Tina Suka, centimètre carré, nous sommes en Boka Labiso, où ils ont dérangé, ils ont libéré, et que Kimia Ezonga. Et je suis convaincu que la 2023, tant mon compte en Boka Arozonga, Arosa, la discours que sa population, n'a ébisa Kimino que guerre ou négocie là. Bota la guerre, il y a comme il y a histoire, poète et sili, poète, ma pinga Labiso, Bazali engagé, Bazali na volonté, Bazali na ma coquille. Bazali baza déterminé pour na pas seulement ba sauvegarder ba territoire la biso mais ba protéger pe honneur dignité en mboka la biso pour être batonyo so wala ba salir image en mboka la biso ba ko kozonga sima pour être Congo ezonga la leadership nango comme une grande nation au cœur de l'Afrique. C'est quoi principe qu'on a ezanini ba FRDC ba soldats la biso ba ko attaquer te bango ils sont seulement là pour réagir na ba attaque ya ba ADF omoni li CCA est-ce que to la mora surtout ezaramingi lendi wa top Congo si abeta yo na CCA omoni li CCA ya devant le roi Salomon basi omi ba le wana ba ki na mwana devant roi Salomon tongo roi Salomon a pesi li CCA mayele a ABC bon net bowe la mwana to saka mwana ngoto kata na kati kolo mwana te alobi ton kateka na kati, po ete mwana nga kufa na e. Me kolo mwana lobi, ton kata e na kati te, mye vobotike la mwana nga e pa ya, ata, me akola, me akufa te. C'est pour dire quoi? Ba def, tous les batouas la nyonso, ils n'ont rien à perdre, en fait. Moutoua la position ya go perdre te, aro sa la, aro sa la comportement moko, yako boma, yako bebisa, yako détruire, essentiel pour y azoua et l'eau qu'on a besoin. Mais FARDC, au-delà de Bengala Munguna, a la mission à protéger la population, a la mission à sécuriser la population, a la mission à être bitumata et obetama, population au maximum. Parce que la population, c'est la mbokanae. A Bengala population, la mbokate. A zo bundana Munguna, pendant que la population, c'est la katia mboka. Donc, FARDC a sa instruction, tant que zo bundana Munguna, battez la population. Mais Munguna, à sa l'instruction, on dit que le monde a boma yango, baby sa yango. On m'a dit que déjà, va donner des départs et en dégémoroté. C'est ça un peu la difficulté, parce que, wana moussousou bazo en sens, il y a qu'on détruit. Parce que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer, nous dit la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, fils de Dieu, vient pour donner la vie. Et amen, la vie pasteur. Outre état de siège, est-ce qu'il peut y avoir un siège? Pour moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est la solution ultime. Okay. Que, et Zouami, Toti Kalanayango, jusqu'à ce que Munguna Rubi Malibanda. Et puis Munguna Rubi Malibanda, pourquoi est-ce que l'engagement armé Nabiso, n'a pas ma coquine sur la PSA et Tolandi, budget, ma proposition et PSA qui a augmenté le pourcentage, il y a Mbongo, il y a armée, tout ça, sécurité, tout ça. Donc, c'est un effort qui se fait déjà. Est-ce que ça va résoudre cette situation? 3,5%, ça fait une affaire de 350 millions de dollars. Donc, évidemment, il y a des lignes au Moussousou non officielles. Il y a un service à renseignement. 3,5 sur les 10 milliards de dollars. C'est les montants officiels. C'est les montants officiels. Oui, mais que même les États-Unis. Est-ce que le pourcentage-là vraiment peut être à l'est de l'air? Oui, que les États-Unis. Il y a dans la gestion de l'État. Il y a des secteurs où Roye Bango Kaka sont comme gestionnaires à l'État. Il y a des fonds où Roye Bango Kaka sont comme gestionnaires à l'État. Parce que ça ne peut pas apparaître au grand jour, parce que ça fait partie de la stratégie militaire de l'État. Ce que Bimisi Ango, Munguna,
akoki koyeba information réelle sur Bino et Bimarate. Je suis convaincu, au-delà de ces 350 millions, il y a des rubriques d'argent Oyo et qu'on équipé suffisamment, ils ont équipé suffisamment armée Nabiso pour être bakokarosala musala bango malam. Fionono Boni, wapi na casquette non ya pasteur, vous avez suivi tout à l'heure l'élément sur les conflits opposant l'église aux chapelles de vainqueur à la famille Ekakanga. Un mot, ton pasteur. Non, déjà, bon, pasteur. Est-ce que l'église doit. N'as-tu casquette à pasteur L'église doit défier à la justice. Je suis un chrétien, né de nouveau, membre d'une église, responsable dans une église locale. Donc, ce qui fait que comme vous, pasteur, mais on a laïque, laïque dans mon église. Est-ce que l'église est capable de défier la justice? Si l'église est capable de défier justice, déjà, il y a un sérieux problème parce que l'église en soi, l'église est allée représentation ensemble. L'église est sainte. Ce sont les comportements des personnes au sein de l'église qui nuisent, qui détruisent l'image de l'église. Au moins, là, telle personne n'a qui en question, n'a qui courage n'a et il pose tel acte au nom de l'église et il détruit l'image de l'église. Et c'est ce genre de comportement qu'il faut bannir. Et je pense que au niveau de l'église, il faut toujours suivre le principe biblique qui dit que si ton frère a un problème, va le voir. Parle avec ton frère. Prends encore deux autres personnes, une autre personne, Je ne sais pas problème voilà, ce que l'année qui va procéder voilà nyoso, ce que l'année va procéder voilà nyoso, et que l'unique personne à gros sang sabango zali l'État aura responsabilité naï. Mais c'est dommage parce que l'Église en principe il faut azala gérer par l'État nazi justice en fait. Il faut avoir la possibilité, parce qu'il y a la dimension à pardon, il y a la dimension à réconciliation, il y a la dimension à amour, il y a toutes ces dimensions-là au sein de l'Église qui peuvent être abordées pour être solutionnées à Malakati à l'Église. Mais ce commis la justice, c'est vraiment dommage. Mais bon, la justice va trancher. Je ne sais pas quel est vraiment le problème, Bazanango, mais Baluka a une solution à l'amiable. Mais il y a des moments où la solution à l'amiable peut... Et ça l'a compliqué. Oui. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Fionono Boni, tu es devant ta caméra. Tu as la caméra, on a vu passer le dernier message. Message Nazar Opes à la population congolaise et un message d'espoir. D'abord, population congolaise, message d'espoir. Tu es baïk, tu es pas n'importe quel peuple. Tu es un peuple fort, grand et puissant. Identité Nabiso, tu es allé à grandeur, tu es allé à médiocrité. Ce n'est pas pour rien que nous avons bâti au cœur de l'Afrique. C'est parce que Alinga qui doit exercer leadership Nabiso, il y a influence auprès de Bambo Kanyoso, Pemokilimo Bimbo. Donc, quelle que soit la médiocrité, nous avons tiré Bissot vers le bas, Totikala attaché à l'identité Nabiso et à grandeur. Toboya médiocrité, Toyeba que essence Nabiso, identité Nabiso, ils aillent à leadership et à grandeur. Alors, Totiamaboko, Namokondiamboka, Oyo, Azo, rencontrer dans sa vision cette dimension à grandeur yambo kanabiso pour nato tongambo kanabiso to zongi sango na dimension yango ya grandeur. Ça c'est le premier message to zala na elikia. Deuxième message, ezali et pas ya bato banso oyo mokondiambo ka azako pe sa confiance a pesi bango ba responsabilité dans tel ou tel autre secteur batoua na baye bake bazana responsabilité ya ko délivrer. Au stade actuel, population a la besoin à résultat. Mokondiamboka, Félix Antoine Tshisekedi a ma boko mi balé. Mais ma boko na e misusu a déficit ou a pesi yango, na bino boza la responsabilité, yako sala mosala pe mbongwana ekota na babi sika bozali. Moko na moko, soko a secteur ya nzela, silisa mabulu. Soko a secteur ya infrastructure, sala mosala infrastructure. Osa secteur ya nini, moto na moto, asa la mosala na avec responsabilité, pour être résultat à moko na moko et concourir na résultat général au mokondiamboka à pesa ki ba promesse na population. Ceux qui t'ont eu conscience biso banso, moto na moto a joué rôle na e, na bandiété, population zala na e sengo, population rozoabile na e, transport na e, santé na e, makambu nyo se rosalama, pe nzamba kozwa lokumu,
tous les abysses basse on a kimia. Voilà message au Nasengi, tous Simba Maboko, Nzamba Pambo l'abysse basse, merci. Voilà, le message est passé, la main dans la main, pour que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Dixit Fiou Ndondoboni, président du Parti Orange, coordonnateur coalition CAL, et puis membre de l'Union Sacrée. Voilà, très chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Et j'en profite de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Marie-Claire Bobali, depuis Cité Verte, là où elle est souhaitée. Et c'est une invitation hein, venant de son fils, Bob Wangu, depuis les États-Unis d'Amérique. Vous qui nous suivez aussi en Afrique, Asie, Europe, nous vous disons merci beaucoup pour l'attention accordée à cette émission Bosolo na politique de ce vendredi. Très chers téléspectateurs, Tokuta Nabino Mokolo Moussousou, j'espère la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir et très bonne suite du programme Nakatia Bosolo Télévision. UPC, Université Belgo-Congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. De nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UPC inaugure dès à présent une autre grande faculté. La faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du troisième cycle à l'étranger. Inscription, rue Louosi numéro 11 à 13 à Kasavubu. Téléphone 00243 81 60 00 634. 00243 90 61 61 0428 UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mopindi. Vous venez d'obtenir votre diplôme d'État avec 75%, c'est si vous concerne. Univers Office vous ouvre les portes du monde pour des études de haut niveau et de qualité au Canada, aux USA, en Ukraine, en France, au Chypre et en Tunisie. Univers Office vous fait bénéficier d'une inscription gratuite dans le pays de votre choix, ainsi que d'une réduction de 40% de frais académiques et d'une assistance visa gratuite. Les candidats à cette souscription sont soumis au test de niveau à l'Athénée de la Gombe le 28 de ce mois en cours. Pour tout contact, appelez au plus 243 89 240 66 64 plus 243 90 249 36 62. Adresse Avenue Bakongo, Kinshasa Gombe, référence Gare Centrale, à côté de l'immeuble Soficom. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bonne chance à tous les candidats. Une occasion à ne pas rater. IFOD, la société de microfinance de la Cinco, vous offre le taux le plus préférentiel du marché, jusqu'à 10% d'intérêt lent pour tous vos dépôts à terme. Vous avez également la possibilité d'obtenir les intérêts échus mensuellement selon le volume de vos dépôts, en dollars et en francs congolais. Avec IFOD, faites vos dépôts à terme, bénéficiez du taux préférentiel et réalisez des grands projets.
Offre disponible dans toutes les agences et points de service IFAUD. IFAUD, au service de tous.